œuvrer en faveur du développement durable. C'est ce à quoi s'est attelée l'ONG Éveil d'Afrique en compagnie des leaders écologiques et les mouvements de la jeunesse lors de cette conférence dite scientifique. Il faut noter qu'aujourd'hui, le monde se lance dans le cadre de la croissance verte et la jeunesse, en tant que levier important de par son attrait démographique, doit jouer sa partition dans le cadre de la promotion de la croissance verte. C'est donc dans cet élan que nous avons échangé sur des problématiques très importantes comme déjà le green business, l'innovation technologique dans le domaine de l'énergie renouvelable, la promotion de l'agroécologie et surtout les politiques de recyclage et de traitement de déchets. C'était l'occasion ici de définir ici déjà une forme de sondage ou d'échange avec ces jeunes leaders écologiques et ces jeunes leaders de mouvements de jeunesse pour voir comment nous pouvons dresser ici une forme de stratégie nationale de la jeunesse dans le cadre de la promotion du développement durable en République du Congo. L'implication de la jeunesse comme moteur du développement durable, c'est la thématique principale de cette conférence scientifique qui a été initiée dans le but de définir des mécanismes liés à la contribution de la jeunesse qui représente une part active de la population congolaise dans la préservation de l'environnement qui passe aussi bien par la mise sur pied des politiques de traitement et recyclage des déchets.